Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi 12 août et là, il est midi et demi, je crois, un truc comme ça. Bref, aujourd'hui, on dit au revoir à une de nos amies les plus chères et franchement, ça me fait trop bizarre. Du coup, elle est à côté de moi. Normalement, je crois que ça va pleurer tout à l'heure. Et normalement, ça va pleurer. Allez, Inaya, Laina va pleurer. Elle est en train de regarder sa série. Mais c'est sûr, elle va pleurer. Moi, je pleurais, elle pleure. Non, pas maintenant. T'as le temps. T'as le temps là, mon bébé. D'accord, t'inquiète pas. Ah, je ne mets pas la mise. La pression va être triste dès le début. Mais non. Ça va, mon doudou. Tout va bien. Donc, bref, là, on a mis des pizzas au four. Comme je vous ai dit, on est vraiment en mode chill en ce moment. C'est les vacances. J'ai juste l'impression d'être dans un Airbnb en fait. Et en fait, c'est trop cool parce qu'on sort tout le temps, on voit plein de monde et on profite clairement à fond de nos derniers moments ici. Lui, il dit qu'il va pas pleurer, mais. Non, mais je peux te dire moi. Si t'as dit non, moi je suis pas comme toi, nanana. Mais quand même, moi je dis qu'elle va quitter ses nièces. Ça va être. Par contre, Ali, Sohan, il fait grave le mec aujourd'hui. Il est venu dans la chambre, il est venu nous dire de partir dans l'autre chambre parce que ici c'était la chambre de Inaya et Laina. Ali, arrête, non, elle va pleurer pendant tout le long. Par contre, tu fais quoi? On va manger là. Dans 28 minutes, je suis comme une lédard. Exactement. Bon, du coup, ce qu'on a fait. Bon, en fait, on a déjà mangé, vous voyez, les assiettes là. C'était deux pizzas au thon et là, c'est une pizza chèvre. On a rajouté du miel par-dessus, histoire de faire un petit chèvre miel. Et voilà. C'est tout pour. Pour aujourd'hui. Exactement. Bon, on se retrouve bien plus tard. Depuis tout à l'heure, on a pris le temps de manger tranquillement. Ensuite, mon amie m'a épilé les jambes. Franchement, on a commencé à la cire. On est passé par l'épilateur électrique et on a fini par la pince à épiler pour un résultat genre parfait. Donc, je suis trop contente. C'est une bonne chose de faite. En vrai, moi, je fais très souvent toute seule à la maison, soit à la cire, soit à l'épilateur électrique. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller chez l'esthéticienne et je suis sûre que ça va me changer la vie. Après, ici, en vrai, j'en connais pas. Et en plus de ça, là, je suis pas véhiculée. Donc, flemme de ouf, il me reste pas longtemps et tout avant de partir, mais à Maurice je vais continuer en salon, ça va être beaucoup mieux je pense. Et d'ailleurs, s'il y en a qui utilisent lumière pulsée ou laser, n'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous en pensez. Moi, mon ami me conseille le laser, ouais. Et du coup, j'ai contacté là un centre à Maurice. J'attends la réponse, mais en gros, je demandais niveau tarif, etc. Et en soi, la personne qui a ouvert ce centre esthétique à Maurice, c'est une Française qui vient de Lyon. Et quelque part, ça me rassure de me dire qu'ils ont les formations d'ici et tout, parce que bah, mon ami, par exemple, qui est suivi par quelqu'un d'ici pour ça, je sais que ça se passe très bien. Et par rapport à tout ça, au moins comme ça, je suis sûre. Mais ouais, je vais passer le cap. Je pense que je vais passer le cap. Plutôt que de m'embêter là toutes les 3 semaines, au moins ce sera une bonne chose de faite. Autrement, on a envoyé aller au charbon. Donc hier, je vous ai dit, quand on est allé chez Imen, on a été dans une boulangerie. Et en fait, on l'a trouvée vraiment excellente. Et on a dit à Ali d'aller nous prendre le goûter. Voilà, et Sohan est parti avec lui. En vrai, je sais pas s'il fait très chaud dehors, parce que normalement, c'est une journée à 36. Nous, on a tout fermé. Tout est fermé au niveau des volets. On a un ventilateur derrière, donc en vrai, on ressent même pas forcément la chaleur. Ouais, 36 degrés. Elle parle même pas, ça va montrer. 36. Elle va montrer la météo. Mais oui, donc il fait 36. Mais ça va, je trouve que tu vois, on le vit tranquillement. Hey, il y a des glaces au frigo. C'est Selena qui nous a choisi ce matin. Sa tête. Donc bref, voilà, on est tranquillement posé et on profite. Et puis voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer du coup ce qu'on aura pris pour le goûter. Bon, du coup Ali il est revenu, mais je suis trop déçue parce que c'est pas du tout la boulangerie où il a été hier, parce qu'elle est fermée étant donné que c'est lundi. Donc il est parti dans une autre. Et juste esthétiquement, c'est pas pareil. Maintenant on va goûter, on verra, j'espère que ça le fait. Mais c'était trop bon et trop beau hier. Bon, on se retrouve bien plus tard pour vous situer. Il est déjà 20h. La journée est passée extrêmement vite aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on était avec mon ami à qui il a fallu dire au revoir. C'était un petit peu quand même chargé en émotion, on va pas se mentir. On a pleuré. Les filles ont pleuré. Mais voilà, on a hâte de pouvoir se retrouver. Et en fait, je sais pertinemment que pour le coup, c'est vraiment dans longtemps. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu de peine.
Mais voilà, c'est comme ça. Là, on n'a pas encore préparé à dîner. On va voir ce qu'il y a au frigo et tout, pour faire un petit truc à manger. On va ranger aussi parce que c'était vraiment une journée chill. Étant donné qu'il était prévu 36-37 degrés, nous, on a laissé fermer tous les rideaux. On n'est pas sorti. Enfin, on a accompagné mon ami à la gare, c'était pas très loin, mais sinon, on n'est pas sorti. Là, c'est que maintenant que j'ouvre un petit peu les volets pour vous dire d'ailleurs comment s'est passée votre journée de canicule. Nous, on a mangé des glaces. Finalement, le goûter, il était bon quand même. On a bu de l'eau fraîche toute la journée. Enfin, on a bu de l'eau toute la journée. Et on est resté posé au calme. Voilà, on était tous ensemble, mais finalement, c'était quand même plutôt chouette comme journée. Là, on a terminé de regarder toutes les saisons de la série qu'on regardait. Donc, franchement, c'était cool. Maintenant, on va faire un petit brin de ménage. C'est parti. Vous pouvez aimer. C'est pas à nous les brocolis. C'est à nous ? Hein ? C'est à nous les brocolis ? Ouais. Ok, je sais qu'il y a des moules à nous, il y a des crevettes. Papa, je crois qu'il y a le congélateur par rapport à l'eau. Je vais t'aider, Loulou. On va faire ensemble, ça ira plus vite. Bon, on a sorti un peu ce qu'il y avait au frigo. Ça va être un petit micmac, je sais pas trop ce qu'on va manger. On a des nuggets de poisson, il y a des msemen, il y a des brocolis, il y a des frites au four. Donc on va voir. Continue avec Sohan le cahier qu'on avait commencé la dernière fois, le pack patrouille. Il nous manquait des couleurs au niveau des crayons et là j'ai reçu du coup des crayons de Shein. Donc on va continuer ça ensemble. Et puis il est un petit peu tard déjà, il est 20h35. Sohan il a mangé lui à son heure habituelle. Là moi j'ai mis des trucs au four et Alice s'occupe aussi du repas des filles. Ça y est bébé, on a bien fait au vert. Ok, maintenant attends, est-ce que tu veux montrer à papa comment tu connais tout ici? Oui. Bébé regarde ça, il connaît tout. Ça c'est quoi? Ah t'as déjà vu avec lui? Oui, ça c'est quoi? Barbacoa. Non, ça non. C'est le. Mais... Ok, ça c'est quoi? Abou. Ça c'est quoi? Yeux. Ça c'est quoi? L'oreille. Ok, ça c'est quoi? Et ça c'est une casquette. C'est une casquette, mais c'est sur la tête. Ah il connaît bien, c'est bien. Ok. Ça c'est la tête. Non, ça en fait elle est déjà faite, ça pas plein de fois. C'est quoi ça? Ok. Ça on l'a fait. Ça c'était quoi? Regarde, ah oui. Ça c'est parce que on n'avait pas la couleur. Donc il me faut du vert et il me faut un bleu. Oh le haut. Ah tu veux un autre rouge? Regarde. Ça fait le haut ici, le haut. Et toi tu voulais prendre un autre cahier, c'est comme ça. Non, c'est là dans le rond. Doucement. Applique-toi. Regarde bien. Je t'applique doucement. Comme ça. Tu essayes maintenant? Ah ouais, tu veux plus? Ok, on va continuer. Ça, on l'a déjà fait. Ah, ça, c'est une comptine, on la fera plus tard. Ça, c'est pique. Ok. Ça, c'est pique. En fait, il n'y a pas d'autre marron. Ok. Alors, Sohan, regarde-moi. Oui. Tu vois ce petit chien? Regarde sa tête. Elle est où ici, sa tête? C'est laquelle? Ça c'est pour manger. Ah ok. Mais ce petit chien, où est-ce qu'il a sa tête? Dans quel badge? Il est où lui sa tête? La tête de chien. Ici elle est où? Mais il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chien. Bah si. Regarde, il y a des badges avec sa tête. C'est lequel sa tête à lui? Le miaou miaou. Elle est trop petit. Elle est où sa tête ici mon chaton? Ici il y a deux pour manger. Ok, mais du coup la tête de ce chien, où on la retrouve? C'est lequel qui est pareil? Pareil, chien de ouf. On se retrouve du coup le lendemain pour clôturer cette vidéo qui est quand même assez courte. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de répondre à certaines petites questions. En vrai là c'était pas forcément des questions concernant le déménagement et une fois de plus j'ai mis sur Instagram. Et donc du coup on va faire ça tout de suite.
J'ai quelques questions ici. Il y a certaines questions auxquelles j'ai répondu sur Instagram, d'autres pas. Alors, déjà, les questions qui me demandent comment je vais, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Alors, comment, coucou, comment vas-tu? Franchement, je vais bien. Franchement, là, ça va bien. Quand on a quitté notre appartement, le fil, etc., c'était vraiment quelques jours très, très difficiles et tout, vraiment chargé en émotions. Mais là, je pense vraiment que le temps, il aide énormément sur tout. Ça va mieux, ça va bien, et je pense que ça ira, j'espère en tout cas que de mieux en mieux. Donc voilà. Comment va Laïna depuis? Ben écoutez, Laïna, ça va. Alors, Laïna, elle est super contente de partir, on en parle tous les jours, elle me dit qu'elle a trop hâte et tout. Et puis dès qu'elle commence à penser un petit peu à ses cousines, ses tatas, ses grands-parents et tout, elle commence à me dire qu'elle veut partir mais que ça va être dur. Donc je pense qu'on est dans le même état finalement. Et après, on va essayer de l'accompagner au mieux, quoi qu'il arrive. Le plus important, c'est qu'elle soit bien. Alors, coucou, pourquoi Maurice et pas ailleurs? Hâte de vous suivre. Coucou. Alors, pourquoi Maurice? En vrai, bah déjà, Ali et moi, on est originaires tous les deux de l'île Maurice. Moi, je suis mauricienne et pakistanaise. T'as dit quoi? Un éléphant? Alors oui, donc on est tous les deux originaires de l'île Maurice. En vrai, c'est simple pour nous, on va dire, d'aller s'y installer. Si on aurait été dans un autre pays, déjà, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué au niveau des démarches, de la paperasse, des comptes en banque, enfin, voilà, de plein de petites choses comme ça, la logistique. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Tu fais le monstre. Là, c'est beaucoup plus simple pour nous, en fait. On a tous les deux la double nationalité. Et donc, vraiment, aucune galère, nous, que ce soit, par exemple, pour taffer, pour une maison, peu importe. Il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Et au-delà de ça, on a déjà la maison là-bas où on n'a pas de loyer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est un gros plus. Et au-delà de ça, franchement, c'est pas parce qu'on est originaire de là-bas, mais vraiment, on est grave fan de l'île. Elle est incroyable, elle est magnifique, il y a grave des choses à faire. En ce moment, elle est en train d'évoluer de dingue à tout niveau. Je trouve que l'île, elle a fait un boom et on s'y sent super bien là-bas. Donc là voilà, c'était le confort aussi quelque part parce que c'est pas l'inconnu. Donc il y a tout ça qui fait que Maurice, il y a énormément d'avantages. Après, je vous parle tellement de Maurice, je vous explique un petit peu à chaque fois comment est-ce que moi je m'y sens, comment est-ce que les gens vivent et j'aime trop. Donc voilà. Ensuite, depuis combien de temps tu organises ton expatriation? Je te suis depuis peu et j'aime ta simplicité et ton authenticité car elle facilite tous tes projets. Merci beaucoup, Ami. Alors en vrai, on l'organise pas depuis si longtemps que ça, dans le sens où on en parle depuis longtemps. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça a été Maurice, ça a été le Canada. On a pensé à plein de pays avant vraiment de se mettre sur Maurice à 100%. Et depuis quand est-ce que vraiment en fait on fait les causes? Alors en février, on était déjà bien sûr. Enfin, je pense l'été dernier. L'été dernier, vraiment. On s'est dit que ça y est, fallait qu'on fasse. Ouais, c'était l'été dernier. Donc un an que vraiment on fait les causes et qu'on prépare l'expatriation. Finalement, c'est pas énorme, un an. Mais voilà, pour nous en tout cas, j'espère que ça sera assez. Et puis voilà, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 15 000 abonnés, je suis hyper contente, ça me fait trop plaisir. Et c'était vraiment notre petit objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, allez, cap sur les 20 000. Ouais, là, c'est pas tout de suite, on en reparlera. Mais mon petit objectif avant Maurice, c'était les 15 000. Et en vrai, quelques jours avant le départ, on y est. Donc merci, cœur sur vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à demain.